Salut à tous, c'est Eric Master, je se retrouve pour l'épisode de Kingdom Hearts 2. Et donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour le Colisée des Enfers, la Coupe Hades. Nous étions arrêtés dans le dernier épisode, et donc participer au tournoi. Alors, Coupe, Peine et Panique, bah, c'est le nom des deux Golio qui vient de parler. Hop, niveau du tournoi, 20, bah, très bien, on va y participer. Allez, c'est parti chers amis, ça va être le deck gladiateur aujourd'hui, j'espère que vous êtes chaud. On va voir si on arrive à me buter. La fusion est inopérée. Oh bah non mais on me déçoit dès les premières phrases s'il te plaît. Mais les coopérations consomment la moitié moins de MP. Ah, ça c'est bon pour baiting. Augmente ton score en ramassant des orbes. Donc c'est comme ce qu'on avait fait avant, c'est le bouboule du Melpops. Et faites des combos pour en obtenir plus. Ok, j'ai compris. Allez, venez là. Météore. On va pas météore alors. C'est vrai qu'on est dans les enfers. Ah c'est tout. Ah bon. Premier round. Gagné. Hop. Match 2. Météore. Voilà, merci. Mais oh. Donc il va y avoir du combat aujourd'hui, chers amis. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Hein. Sinon, je vous invite à regarder un épisode de Lucy la mourir rock'n'roll. Hein. Oui, c'est ce que je prends comme, référence pour chaque truc super nul. Hein. Je sais pas si vous aimez ça, mais bon. D'après mes parents, c'était assez chiant. Hein. Et d'après d'autres personnes que vous connaissez sûrement et... que sans doute vous connaissez la mourir Lucine Rock'n'Roll à cause d'eux, hein. On les connaît tous par ces moyens là, genre du grenier, salut. Putain mais je peux utiliser Météor à chaque fois quoi, bon. Et ben je pense que ça va être vite bouclé. On n'oppose pour l'instant aucune résistance. Ça commence bien, donc de quoi on peut parler, hein. Qu'est-ce que vous avez fait hier, hein, tranquille. D'ailleurs ça ne rame plus, hein. Et d'ailleurs j'ai découvert une technique en fait pour que ça rame plus. Ce que je vais faire à chaque fois, c'est désactiver Skype avant la vidéo. Parce que de 1, comme ça on pourra pas me déranger, hein, ne pas déranger, hein, même si on me dérange pas, on ne pas déranger parce que c'est fait exprès pour ne pas se déranger, etc. Voilà, j'ai trop dit le mot déranger dans la même phrase. Et que, et ben, ça, vu que ça consomme de la RAM en moins pour le PC, et ben, bah, ça fait beaucoup moins ramer le jeu, comme vous pouvez voir. Bon, vous allez me dire, il y a 6 pauvres ennemis à animer dans, dans la même salle, du coup, ça limite un peu, ok. Mode double score activé, oh. Oh, des sangs-cœurs portugais. Salut les mecs, ça va? Tranquille la famille. Et les où le parpaing que j'ai commandé chez Ikea la dernière fois, hein? Les cosmiques. Les centaures. J'allais dire les centaures, hein, mais bon, vu que Donald est dissident aujourd'hui, il les défonce en un coup, voilà. Ah, mais du coup... Oh non. Ah. Ça met dans le temps à partie. Du coup, donc on peut parler parce que bon, je pense qu'on va essayer de parler comme le 1 contre 1000 en formant un combat. Je vous divertis en combattant et je vous divertis en parlant. Donc, hier, vous avez pu voir donc qu'on a sorti un nouveau Cops and Runner. J'espère qu'il vous a plu. Hein. On a. Bah oui, j'allais dire, on n'a pas pu le tourner assez longtemps, mais si en fait, hein, je me suis arrangé pour qu'il dure assez longtemps. Mais on a dû partir un peu plus tôt que d'habitude parce que Slugface est en train de faire un coma éthylique. Hein. Je déconne en disant ça, il n'était pas vraiment en train de faire un coma éthylique, je rigole. Hein. Mais vu qu'il s'est levé à 10h, il n'a pas eu la bonne idée d'aller manger pour se nourrir et subvenir à ses besoins nutritionnels, et ben il avait juste un peu faim, voilà. Donc avant qu'il bouffe Ghost Price, on l'a envoyé au fast-food du coin, hein, voilà. Et où sont passés Donald et Dingo, hein, je peux me poser la question, hein. Et faut que, en fait, faut que je survive, mais comme ça je récupère des bouboules, en fait, c'est bien ça. Parce que je survive, et comme ça, ça me fait des bouboules illimitées. Et est-ce qu'à la fin de ce tournoi, il y aura un mec en noir? Parce que bon, c'est un peu pour ça qu'on est venu, je pense. Ah! De quoi je peux parler d'autre sinon? Alors, qu'est-ce que. Demi-finale déjà? Ah bah ok. Sinon, eh ben, de quoi, à quoi je joue en ce moment? Je suis en train de me refaire Landstalker sur Mega Drive. Bon, à part Kingdom Hearts, hein, vous l'aurez compris. Je suis en train de me refaire Landstalker sur Mega Drive. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est un RPG un peu au trait de Zelda, si je puis dire, qui est sorti quand même après. Mais c'était un peu le rival de Zelda, mais sur Mega Drive, hein, donc sur Sega. Et du coup, bah, c'est un jeu que quand j'étais petit, j'avais mis 2 ans à arriver au début, enfin à la moitié de la moitié du jeu, hein, voilà. Et là, j'ai fait ce que j'avais fait en 3 jours. Du coup, bah, ça me permet d'avancer dans le jeu que je réussissais pas quand j'étais petit parce qu'il était vachement dur. On peut le dire, hein, si vous pour les connaisseurs de Labyrinthe Vert, hein, que je viens de finir. Et du coup, bah, si ça vous intéresse, je vous invite à aller le faire. Hein, c'est bon jeu de, qui n'a pas vieilli. Bon, bien sûr, les graphismes, vous allez me dire, ça sera pas du Call of Duty comme nos jours. Hein. Bon oui, je pense à Call of Duty, mais il y a 36 millions d'autres jeux comme The Order auxquels je pourrais jouer. Auxquels je pourrais penser, excusez-moi. Hop. C'est bon, au final, j'ai fini. Du coup, en fait, j'ai arrêté, mais j'aurais pu le faire la dernière fois, hein, je suis désolé. Mais... Bon, c'est pas grave. Il va durer un peu plus longtemps, celui-là.
Et hop, la coupe Hadès. Elle est pas bleue comme je l'avais dit, mince. A notre fortune, augmente les chances de gagner des objets rares. Oh non, ça je m'en fous. Pierre sénérité, pierre magique chargée de sénérité, un ingrédient classique de la fabrication des objets. Ah ! Ah 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 ! Si le Colisée me permet de fabriquer mieux des objets, ça peut être pas mal. Parce que comme je vois que je galère à chaque fois. Non, pas besoin, j'ai déjà fait. C'était la seule coupe disponible ? Faut que j'aille voir un autre monde, c'est ça ? Ah mais c'était pas la coupe à... Attends, plus tard. C'était la coupe Hadès que je viens de faire ou pas là ? Ah, c'était la coupe peine et panique. Ok, excusez-moi, cher ami. Donc, on fait la coupe Hadès. Je suis désolé, allez. Et c'est parti pour la coupe Hadès. Alors, qui seront nos premiers adversaires ? Voyons voir. Les vrilleurs. Regardez, Oran aussi participe au tournoi. Ah bah, on va devoir se battre contre lui, j'imagine. Oui, on risque de devoir l'affronter pour le titre. C'est un héros. De zéro en héros, mon cher. Ben, je crois qu'il soit... Je ne crois pas qu'il soit méchant, mais... C'est toi le seul héros ici, Hercule. Tu le sais bien. C'est vrai, autrefois, à présent, je... Ta gueule ! Ouais, je traduis. Alors. Élimine tous les 100 cœurs. Ah là, c'est plus les bouboules, c'est les 100 cœurs. Oh, Hercule, on est 4 ! Oh, vas-y ! Mode RPG, les amis ! Ça se barre en Final Fantasy, mais à 4, voilà, c'est parti. Hop les, hop les, hop les. Putain, Météor, c'est vachement cheaté en fait, hein, je vais le laisser. Parce qu'à chaque fois, on utilisait Baiting, mais pour changer un peu. Ça, ça... Vous savez ce que j'ai en train de me dire? C'est que, avec toutes les explosions et tous les impacts qu'il y a pendant le truc, je me dis, oh putain, que l'upload va être dur. Je ne sais pas si vous le savez, chers amis, mais. Plus il y a de choses sur l'écran et plus le plot est dur. C'est pour ça que dans Minecraft par exemple vous pouvez voir que quand il pleut, ça réduit le. Enfin ça augmente le temps de plot parce que la pluie génère plus de fréquence en fait dans la vidéo on peut dire. Alors champion, t'es impressionnant. Je suis loin de mon meilleur niveau, désolé de vous handicaper. Ne jette pas l'éponge tout de suite. On a encore besoin de toi pour la demi-finale. Ah c'est déjà la demi-finale là? Non. Non. Attends, c'était ça les vrilleurs là? C'était les cartes finales là? Putain, waouh. Ah ok. Ok, ok, bon, je vous avais dit que mon niveau il était plus bas qu'avant. Non, mais je sais pas pourquoi, mais. Ça va chauffer, la demi-finale. Nous y voilà. Ouah, on rencontre Glace Funeste. Je sais pas qui c'est. Ils sont forts. Ils en ont l'air, mais on ne doit pas se laisser intimider. Nous allons les renvoyer chez leur grand-mère, oui. Alors, qui c'est? Oh mon dieu, encore des 100 cœurs lambda. C'est pas comme si ça m'opposait quelconque. Oh mais attends, mais je peux l'utiliser. God mode. Ouais, je sais plus si c'est le God mode ou etc. Si lui c'est le God mode. Ah, oh mais vous, j'avais pas vu quel mode épique. Oh mais c'est si gentil de votre part de déverrouiller le verrou de mode épique pour la coupe Hadès. Tout que ça a pas duré longtemps. À nous la finale. Ouais déjà. Si on gagne, on sera tous de vrais héros. Sauf un qui est en train de se morfondre sur le côté droit de la caméra, oui. Ah, c'était donc ça qui te motivait. Côté gauche, pardon. C'est vrai, il y en a marre d'être des apprentis héros. Bah oui, parce que de mon côté, il est droit, du coup. J'essaierai de ne pas trop vous gêner. Arrête avec ça, tu veux? Tiens, Oron, salut, ça va? Hé, hey, regardez. C'est lui notre dernier adversaire, non? Oron! Je sais pas si c'est Oron ou Oron d'ailleurs, hein. Je l'appelle Oron, mais... Ah, ok, il est devenu Super Saiyan. On se connaît? Non, on se connaît pas. Hein, Oron? Tu ne te souviens pas de nous? Je dois vous vaincre pour expier mes crimes. Au revoir. Je m'en vais tel un Itachi dans la forêt. Qu'est-ce qu'il raconte? Merci, c'était Sora qui disait ça. On dirait qu'il n'est plus lui-même. Allons voir ce qu'il se passe. Il sera long de buter, hein, parce que on s'en doute, chers amis, que ça va être lui à la finale, hein. Et pourquoi tu pars là-bas, toi? Elle est là-bas, le Colisée, hein. Je sais pas pourquoi tu vas au shot là-bas, hein. Là, c'est service room, hein. Ça sert à rien d'aller là-bas, hein. C'est personnel uniquement. Ah bah, je me suis dit pourquoi j'ai toqué Blade. Oh non, non, mais c'est normal, Deckmaster, c'est normal. Et oui, je m'appelle Deckmaster tous les jours, oui.
Mes amis m'appellent Deckmaster, ma petite amie m'appelle Deckmaster, mes profs au lycée m'appellent Deckmaster, mes parents m'appellent Deckmaster. Deckmaster m'appelle Deckmaster. Très bien, es-tu donc gars ? Énonce ton crime, prisonnier ? J'ai violé ta mère. Voilà mon crime. Et c'est inexcusable. Bien. Bonheur. Qu'est-ce qui arrive à Auron ? Je l'ai jamais vu comme ça. Chut. Tu t'es fait caler, ça. J'ai commis une petite bévue. Tu existes. Mais bon, je suis magnanime. Remplis ta part du contrat et je serai d'humeur à te pardonner une ou deux erreurs. J'ai compris. Je dois battre Hercule. Et ses amis au final. Quoi ? Seulement Hercule. Oh, me dis pas que tu as oublié qui commande ici. Oh. Oh. Ah, ça salit les mains. Oh, une poupée vaudou ! Hercule et... les trois autres. Est-ce bien clair ? Très clair, Hadès. Qu'est-ce qu'il est en train de lui faire ? Hadès. Il est en train de violer son âme ? Hadès. Bien. Maintenant, va. Non, bien sûr, il n'a pas du tout vu Donald, hein. Hey ! Alors c'est avec ça qu'il contrôle Auron ? Il va faire des petites figurines avec... avec ça, il se fait des petites batailles chez lui après. Et vous savez pourquoi le jeu il rame ? À cause de la mèche d'Hadès. Oui, le feu. Quel canaille ! Pour lui, c'est sans doute un compliment. Ouais, sûrement. On ne peut pas laisser Auron se faire manipuler. Nous devons l'aider. Et pour cela, il va falloir le tuer. Auron, nous savons ce qui se passe. Tu peux compter sur nous. Venez, suivons-le. Ok. Ah là là. Si c'était pas un scénario basique, hein. Ah bah oui, je suis toujours en épique, moi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Oh, d'ailleurs, elle est là, la coupe Hadès. Bonjour, plus tard, tu seras à moi. Ah bah non, c'est la coupe truc et panique. Tatatac, Auron, bonjour. Ça va, tranquille. C'est toi que je vais devoir affronter. Et il s'en alla vers Venise. Au revoir. Que passe-t-il, Sora ? Auron a des ennuis. Il est sous l'emprise d'Hadès. Il possède une petite statue d'Auron. Une poupée vaudou. Ça voilà. Me rappelle quelque chose. Pour Hercule 2. Il y a jamais eu d'Hercule 2 d'ailleurs. Hadès se sert certainement de cette figurine pour contrôler la volonté d'Auron. Ouais. Essayez de trouver cette statue. Elle doit être quelque part aux enfers. D'accord, on s'en occupe. Allez, le tournoi va commencer. Je combattrai Auron lors de la finale, en duel. Vraiment ? Ah, tu peux jouer Hercule alors ? Est-ce que le gars qui a acheté ce jeu peut jouer Hercule ? Mais... Dépêche-toi de revenir, je sais que tu peux y arriver. Félicitations, marché conclu. Merci. C'est très aimable de votre part. Le malcoiffé et ses petits compagnons devront affronter le vainqueur dans un ultime combat. Qu'en dis-tu ? Le public va adorer ça. Ma réputation est en jeu, je leur ai promis un spectacle d'enfer. Prumpt. Voilà. On n'avait pas le budget pour faire le montage. Quelle bande de naïfs. Ils gobraient n'importe quoi. Bah oui, bien sûr, il y a Hercule qui est dans ton dos et qui n'entend pas du tout ce que tu dis. Hein. Donc j'allais dire, est-ce qu'il n'y a jamais eu d'Hercule 2, hein ? Est-ce que Disney va réussir à nous ressortir un truc encore... un film qui date d'encore plus longtemps que Les Indestructibles, hein ? Parce que oui, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais les Indestructibles 2 sont annoncés, les amis ! Bon oui, c'est Pixar, mais bon, voilà, c'est Disney-Pixar, voilà, 1, 2, 3, 4, voilà. Pourquoi je vais là-bas ? C'est là-bas que je dois aller, hein ? Parce que je sais pas du tout d'où je dois aller, en fait, donc je me balade. Il est parti où, Auron, les amis ? J'ai besoin de votre aide. Bah, à mon avis, c'est plutôt de l'autre côté qu'il faut que j'aille. Voilà, bon, je te laisse t'en occuper, Donald, parce que moi, je me suis trompé de chemin. J'ai pas pris la bonne sortie. Voilà, c'est là-bas. Ouais, prends ça si tu veux. Allez, je suis gentil. Alors... mes 4 potions plus, ça va. Bon, le jeu, tu ramais plus en début, là. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Audacity qui t'énerve, hein ? Ah bah, je suis désolé, mais j'en ai besoin pour filmer, moi. Traps aussi.
Alors... Bonjour les taupes, ça va? On est déjà venu ici? J'ai pas l'impression. Ah si, c'était où il y avait le Cerbère, oui c'est vrai. Je vous rappelle dans les premiers épisodes, hein, si vous ne suivez pas ce let's play depuis le début, hein, je vous rappelle que nous refaisons les mondes depuis le début de Kingdom Hearts pour aller tuer un peu tous les méchants noirs. Ce n'est pas raciste, tous les méchants habillés en noir qui s'y promènent. Oh putain, là c'est le jeu, il se met à s'accélérer. Bon, j'ai vu qu'ici mon niveau il est pas trop à augmenter, hein, donc je peux avancer sans peine. Hop, je rêve où ? Un skate ! Oh yeah ! Oh yeah, je fais du skate dans les enfers, ma gueule. Oh yeah, je fais des figures, je vole. Je vole littéralement. Je suis le skater DBZ. Oh yeah. Et je peux frapper avec le skate là? Attends, j'ai pas rêvé, j'ai frappé avec le skate. Non, pas de skate. Oh, vas-y, c'est pas drôle. Sauvegarder. Alors hop. Je vous ai dit, hein, faut que je fasse des tests pour voir si ça rame moins. Donc au bout d'un moment, au bout de 3-4 épisodes, j'aurais fait assez de tests pour savoir. Alors. Comme c'est divertissant tout ça. Ah ouais, deux pauvres mecs qui s'affrontent. Moi je voudrais mettre des cercles en feu, des pics et tout, des Wrecking Ball. Et des Miley Cyrus dessus. Voilà. Ce serait beaucoup plus style. Oh oui. Oh oui, le skate. Oh yeah, oh oui j'attaque avec le skate, oh oui je peux attaquer avec le skate. Salut les amis, oh yeah, oh regarde, je fais des figures, je vole. J'ai mis esquive, mis attaque tellement je suis nul. M'en fous, voilà, je fais tac, 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 tac. Vous ne verrez jamais un skater faire autant de figures à la seconde. Et moi ce que je sais faire, c'est voler avec un skate, ça par contre vous ne verrez personne le faire. Entre d'Hadès. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans la chambre d'Hadès? J'espère qu'il a pas de film porno. Je dis pas. Oh putain. Elle est pixée. Enfin, elle est polygonée. Il n'est pas trop tard. Je refais l'accent de tout ceci. Je suis tellement secoué que j'ai l'impression de voir double. Je serai mort en vain. Vous devez vivre. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends. Ça vient du cœur d'Oron. Ça alors il a pas dû avoir une vie facile. Donc c'est Oron. Non, tu as raison. Mais sa souffrance l'a rendu plus fort. Sa souffrance ou la statue? Des spermatozoïdes. Oui, les spermatozoïdes sont rentrés officiellement dans le bestiaire de Deckmaster. Alors, comme ça vous m'empêchez de voler la statue d'Oron. C'est ce qu'on va voir. Oh, car je maîtrise de la seule technique que vous n'avez jamais réussi à percer à ce jour. La fameuse glissade. Que je ne peux pas faire car Dandel est en train de prendre l'aggro de mes commandes. Oh oui, level up. Niveau 34. Ouh. Putain, j'ai quand même un bon level. Hop, vas-y. Joue à l'ultimate avec ton bouclier, toi. Attention, la glissade qui rend n'importe comment. Allez hop, hop, la glissade. Hop la glissade, hop là, hop 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 hop, allez vous comprenez rien, hop hop hop. Et on attaque. J'adore ce Keyblade, hop. Ah j'ai repris encore un combo là ou... Parce qu'après les trois boules j'ai l'impression qu'il fait un truc. Moi je sais pas, c'est pas grave, allez hop là. Ah, j'espère que c'est Fraps qui fait ramer et que ça sera moins mort, enfin que ça sera moins ramé dans la vidéo hein, parce que souvent c'est ça. Ah ta 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 ta. Aïe. Parce que là ce que j'ai fait pour changer c'est qu'il y a dans une option dans Fraps qui permet de couper tous les 4 gigabits hein, et vu que moi j'ai la flemme à chaque fois de les raccrocher et tout et que c'est beaucoup plus simple au montage pour moi de les faire en une freeze, je l'ai enlevé cette option parce que maintenant je peux avec le nouveau disque dur. Et peut-être que ça fait le plus ramé, donc si ça fait le plus ramé j'enlèverai, c'est pas grave. Enfin je rejoue autre jeu. Faim. J'ai faim. Ah bah voilà, c'est ce que je disais, j'avais très faim. Mais ça nous sauve. On fera mieux de filer. C'est Maléfique qui nous aide avec ses 100 cœurs. Je dis ça au hasard. Vous avez gagné la statuette d'Oron. Son âme s'en mêle d'en être prisonnière. Prisonnière, mieux vaut lui rendre rapidement. Et maintenant je peux me battre avec une statuette d'Oron. Oh. Non, je déconne. Qu'est-ce qui se passe du côté de Hercule et Oron? Rien? Ok. Comme vous voulez.
Par contre, je peux activer la jauge épique, ça c'est bon. Ça. Bon, le jeu, hein, tu vas arrêter de ramer parce que ça me plaît pas. Hein. Bon, attendez, on va faire un truc. Tac, voilà. On va voir si ça rame moins. Non, c'est exactement la même chose. Alors, parlez. Hé hé, Hercule doit être en train d'implorer pitié. Vous aussi, vous êtes devenu assistant à sa défaite. Portez secours. On fonce. Rien à foutre. On fonce à la vitesse de la lumière sur une barque. Ouais. Bon, je couperai tous les 4 gigabits, ok, j'ai compris. Désolé pour cette vidéo, je couperai toutes les 4 gigabits, ok, j'ai compris. Bonjour. Oh mon dieu, mais avance, espèce d'idiot. Oh mon dieu. Hercule, tu peux le faire, Hercule. Non, Ron, le fais pas. Relève ton épée. C'est quoi cette grimace, Hercule? T'as déjà fait mieux. Oh Ron, non. Objection. Objection. Voilà, il est là, l'objection. Oh mon dieu, ça y est, il est redevenu normal. 2-0 en héros, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Et c'est là qu'il tombe dans le vide parce qu'il est essoufflé, qu'il avait envie de s'appeler. Sora. Donald. Dingo. Un peu plus vite, s'il te plaît. Oh, espèce de petit. Pourquoi tu la gardes pas sur toi, en fait, hein, espèce d'idiot. Tu n'as pas oublié notre marché, quand même. Je peux t'offrir un casier vierge. Mais tu dois mourir. J'ai déjà un casier vierge. Tu n'as peut-être pas entendu. Je te le répète. Je décide seul de mon sort. Oh mon dieu, je sens qu'Hadès, ça va être le boss cette fois-ci, les amis. Et il a pas l'air content. Ça suffit! Le tournoi est fini, j'ai respecté les règles jusqu'ici. Jusqu'ici. D'accord, je l'avoue, j'espérais que Superman perdrait contre Oron. Mais c'était quand même un combat équitable. Vous n'êtes pas d'accord, les gars? Vraiment, un combat équitable. Oh. Riez, riez, riez tant que vous le pouvez. Bientôt, il n'y aura plus que des larmes. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que tu vas les sécher. Non, on va jouer selon mes règles à moi. Oh, le bad guy. Cerber, l'hydre, 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 je veux l'hydre. Offrez-moi l'hydre. Oh. Meg. Ah bah oui, mais s'il peut TP les gens comme ça, ça serait beaucoup plus simple tout le temps. Hein. Hercule. Hey, je t'avais prévenu d'entrer le jeu. Tu participes pas, tu perds ta copine. Au revoir. Et lui, il va aller la sauver d'entre les morts. Comme dans le dessin animé. Et voilà, il a plongé, c'est parti, attention! Ça va être la descente infernale. Et une remontée fulgurante! Ha! Peut-être, mais nous, on est toujours là! Et on va te régler ton compte! Oh. Ça va être ça. Viens là! Espèce de torche humaine! Et oui, je reste avec Oron! Ha! Compétence. C'est le temps de la changer là. Qu'est-ce que je peux changer? Même dans le menu ça rame, s'il te plaît. Oh. Non, pour l'instant. Ah, Trinité, je peux peut-être l'enlever vu qu'on n'est pas à 3. Ma Trinité, en fait, je la mets mais j'utilise jamais. Du coup, je vais l'enlever. Hein. C'est, je sais pas pourquoi. Bonus coopération. Augmente la durée d'action des coopérations. Pour le truc, c'est bon ça. Il n'y a pas autre chose que j'aurais pu mettre. Oh non, je m'en fous. Alors, objet, c'est bon, je suis bon, allez. Et c'est parti. Aïe, mes oreilles. Ah. J'aurais coupé au montage. Oh, ta petite danse. Ah, t'es cuit. Ah oui, c'est drôle. Ah, cuit, cuit. Mettez. Donald. Météor. Ah, ok, ok. Bon, bah, ok. Ok, j'ai rien dit. Dingo, qu'est-ce que tu fous là? Ça marche pas. On n'a pas la pierre. Nous sommes aux enfers. Comment faire pour le vaincre alors? Je suis de retour, baby. Peut-être qu'un vrai héros pourrait vous aider. Mais tu. Et oui, c'est un demi-dieu, je te rappelle. Je te remercie, Hadès. Je n'ai pas hésité à risquer ma vie pour Meg. Et je me suis souvenu,
Que tu es un héros peut-être ? Qu'un vrai héros se mesure à la force de son cœur. Allez, retourne sur ton poney volant. Comme à chaque fois. Non, par contre, Hercule, tu restes. Toi. Je suis de nouveau moi-même. Prends pas trop de risques quand même. Les gens font des choses risquées quand ils sont amoureux. L'amour donne des ailes. L'amour est enfant de bourrée. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Un imbécile ! Et l'amour, toi, c'est ce qui te manque, mon cher. Alors viens là ! Viens te battre si t'as un homme ! Ou une torche ! Ou un homme torche ! Ou une torche humaine ! Bon, non, t'es pas un chorégraphe, en tout cas. Allez, 5 contre 1 ! Oh ! Man ! C'est parti ! 1 ! Épique ! Viens là ! Il est où ? Hop ! Il est où ? Viens là ! Hop 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 hop, allez, c'est parti ! Il est où, Hop ! Man ! Ah, deuxième, c'est pas grave. Il est où ? A chaque fois je dis il est où, mais il est derrière moi. Mais Donald ! Eh non, ça me fait rien, mon gars ! Ah, par contre, il me faut man, là. Il me faut man. Il me faut man. Man ! Man, je dis man. Ah, putain. Hercule ! Vas-y, Hercule ! Man ! Merde, il a disparu. Tiens ! C'est reparti ! Il est où, man ? J'ai vu que t'avais créé des man. Je m'en fous, tant qu'il est pas en feu, je peux l'attaquer sans man, moi. Attends ! Putain, mais arrête de te TP ! Es-tu un cheater ou un homme ? Ok. Tout le monde attaque sauf moi, bon bah, c'est parti. Donc il n'y aura pas d'homme en noir ici, c'est pas grave. C'est quoi ça? Oh, je m'en fous. Ah merde, il a pas man. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que t'as fait, Hercule? Hercule, qu'as-tu fait? Oui. Viens là, Donald. Météore. Ah, il est où? Ah, ça fait mal, hein! Surtout quand le booster en coopération est activé. Ah, là, il se remet en feu, je pense. Ouais. Go! Vas-y, Hercule! Gotta go fast! Non, je baisse pas les bras. Oron! Allez, il le faut, man. Et c'est parti pour la mode épique. J'ai dit non, aïe. Il s'est remis, man. Eh oui, ça marche pas avec moi. Tu croyais m'atteindre, mais c'est moi qui t'atteins. Ah là, ça veut dire qu'il va le faire. C'est parti. Allez, on prend une petite potion plus. Man. Et c'est reparti. Tu crois que tes petits pièges de feu me font quelque chose? Et il faut que j'y aille. Hop. Excuse-moi. J'avais un rendez-vous très urgent avec Man. Oh. Attends. Allez, on continue. On rentre dans ces deux dernières jauges de vie. Tiens, je t'en ai refoutu deux dans la gueule, mon gars. Météore. Il est caché à 26 ans, Météore. Ah là, par contre, il va se remettre en mode normal. En mode normal, en mode feu. Donc, je peux pas l'attaquer, donc Météore ne sert à rien.
Mais c'est pas grave, j'attends que Hercule fasse un petit man. Et oui, personne n'arrête un vrai héros. Allez, vas-y, man. Allez, go. Non, merde. J'ai pas oublié. Oh, bah, pff. Et on est sur lui. Les man soient des chercheuses. Il est où? C'est vrai que maintenant j'ai le truc pour prendre de la jauge épique en fonction de mes dégâts en plus, c'est grave strict ça. Ah mais il est là-bas man. Merci Donald. Tiens. Et tu sais quoi? Juste pour toi. Épique. Finish him. Finish M. Contre-garde. Et level up pour tout le monde. Allez, distribution des level up. Hop play. Ah. J'espère que c'est pas trop ramé pour vous les gars. J'espère que vous survivez derrière votre écran. Ça sera réglé dans le prochain épisode, je vous assure. De toute façon, faut que je défragmente mon PC et tout, donc voilà. Ça sera fait après le Kingdom Hearts. C'est ça. Encore fini. Pas te soit à la marche. Ah. Allez, allez. Tombe comme une fillette. Pété 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 pété. Oui, c'est la musique qu'il faudrait à chaque fin. Voilà. La musique nostalgique. Restez aux enfers. C'est ma vie. À protéger les autres. Mais là, il n'y a plus personne à défendre. Ah bon? Peut-être est-il temps que je prenne en main ma propre vie. Oui, tu le mérites, Auron. C'est vrai. Après tout ce que tu as traversé. J'imagine que je dois vous remercier. Pas la peine. D'accord. Enfin, tu peux nous remercier un tout petit peu. Ah bon? Faudrait savoir. Merci. Allez, je suis sûr que tu en es capable. Je vais donc faire un effort. Allez, tu peux le faire. Merci de vous en être mêlé. Hey, ça veut dire quoi ça? Bah c'est déjà bien, hein. Venant de lui, hein. Qui rigole d'ailleurs. Tu veux pas venir nous aider dans la quête de combat de Sephiroth? Puissante. Elle accroît les dégâts infligés avec les commandes réactions. Est-ce que les commandes réactions comptent pour des commandes coopération, les amis? Parce que si c'est le cas, ça va être cheaté. Voyons voir cette lame tout de suite. Oh, mais c'est dommage, j'aimais bien la mienne. Oh. Pourquoi tant de haine? Oh, forteresse oubliée. Ah non. Oui, ah oui, c'est vrai, le Colisée a été largement un peu détruit. Les amis, vous êtes les meilleurs. Merci. Oh, Dorian. D'abord. Oh, on dirait que des canards n'aiment pas la gratitude. Ils aiment peut-être plus le four. Je plaisante. Merci, Sora. Donald. Dingo. Alors, où est-ce que vous allez maintenant? Vers d'autres contrées. Vers d'autres horizons. Oh, tu sais, on ne veut pas vous déranger plus longtemps. Comme vous êtes toujours collés l'un à l'autre. Exactement. Et à chaque fois, ça met un embarras hein, dans les Disney. Alors, Mulan, la Belle et la Bête, etc. Mais on sait que vous allez coucher ensemble après, on s'en doute. Sinon, on va encore se mêler de ce qui nous regarde. Bah oui, mais quand tu sauves Peach dans les Mario, tu te doutes pas. Tu te doutes très bien qu'après, ils vont coucher ensemble. Si vous continuez à remporter toutes les épreuves, qui je vais entraîner, moi? Les petits héros. Oh, tu peux pas. Les nouveaux héros. Non, Phil, je dois être au mieux de ma forme si Hadès refait surface. Ouais, allez Phil, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi on est devenu Phil, hein? Voyons voir un peu. N'est pas assez philosophe. Ah bon? Pas encore assez d'expérience. Je suis level 34. Enfin 35. Oh, ça va, on a compris. Écoute petit, c'est pas moi qui décide. Alors tais-toi. Oh. Mais si c'était le cas, je peux vous garantir que je vous nommerai tous héros en un clin d'œil. C'est vrai? Bien sûr que non. Quoique, si c'est ça vos têtes de héros, vous avez encore du pain sur la planche. Vous n'êtes pas assez beau. Oh.
N'insiste pas. Phil. Il est où, dingo? Non, lui, il s'en fout d'être un héros, c'est ça? Et laissez-moi, hein. Et toi, t'es un héros, peut-être? Hein? À part représenter le juste prix. J'ai vu ça. Un message des cieux. Ça va être quoi? Une tête de dingo? Parce qu'il est mort. Ou une serrure. Enfin non, on l'a déjà fait la serrure ici. Sora. La musique du Colisée. Ça va être quoi? Kingdom Hearts. Non. Ah bah voilà. Et on n'est pas des héros après. Merci Zeus, hein. On t'en voudra une. Dans Kingdom Hearts 3, on arrivera, t'inquiète. Ce sera plus dans le Colisée, ça sera dans les cieux. Qu'on commence un peu à en avoir marre d'Hercule après Kingdom Hearts 1 et 2, qu'est-ce que vous en pensez? Non? Ah, 35 minutes de vidéo, les amis. Oh bah ça fait une vidéo, hein. Est-ce que je commence un autre monde ou est-ce que je le garde pour la suite? Ah, peut-être qu'on doit faire autre chose. Peut-être. Non? Un nouvel épisode a été ajouté. Où ça? Ici? La coupe titan est ouverte! Encore un drôle de tournoi à part la panique pour t'inscrire. Bon, on le fera plus tard. Vous me le rappelez, chers amis, dans les trucs qu'il faudra que je me le fasse? Je compte sur vous pour me le rappeler dans 10 épisodes ou quelque chose comme ça pour... En fait, vous savez quoi? Quand vous voudrez que je la fasse, dites-le moi. Voilà, comme ça, c'est clair. Comme ça, vous me le dites en commentaire, vous me dites, j'aimerais bien que tu fasses la coupe titan et je la ferai. Comme ça, vous me direz quand vous aurez envie de retourner un peu dans le Colisée, il n'y a pas de problème. Et donc, ce que je fais, c'est que, vu que je quitte là, je vous invite à décider quel va être le prochain monde que nous allons faire. À part s'il n'y a que lui. Non? Non, bah, si. Non. Il y a lui aussi, non? Et il faut que je tourne dans la cité de Crépuscule. Ici, bien sûr. Et ici, ça brille aussi, donc ici aussi. Et dans Port Royal sur moi aussi, comme on l'avait vu la dernière fois. Sur ce, donc, je vous laisse, chers amis. Donc, mettez en commentaire pour quelle map vous voulez que je fasse pour le prochain monde. Bah, le prochain monde que vous voulez que je fasse dans le prochain épisode, tout clairement. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, ça me fera toujours plaisir. Et à mettre bah, d'autres choses à part dans vos commentaires, hein, genre que ça vous a plu, hein, j'aimerais. Ça me fait toujours plaisir de voir que cette merde vous plaît. Voilà, pourquoi j'assume les propres vidéos. A plus.